Quand on parle d'Internet, on évoque souvent le risque du piratage, voire pire, l'introduction d'un virus dans les réseaux. Pour s'en prémunir, il existe désormais une école spécialisée. Elle forme des pirates qui seront rompus à toutes les techniques. Sophie Redier, Eric Delagneau. Salut, Arnaud, alias El Riser, 21 ans, pirate blanc. Allez. Il ne porte pas le bandeau des corsaires de naguère. Pourtant, dans le jargon des informaticiens, Arnaud est un pirate blanc. Voilà, on est prêt à démarrer. Comprenez, un défenseur de l'Internet. Son objectif, combattre les hackers qui s'infiltrent frauduleusement dans les réseaux. Et il le sait bien, la sécurité sur le web est loin d'être parfaite. Problème, je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Ce qui est magique avec l'informatique et avec Windows, c'est que je vais pouvoir retrouver mon mot de passe sans le connaître. Avec un petit utilitaire très simple qu'on trouve n'importe où sur Internet, il est facile de le décrypter. Presque un jeu d'enfant. Inutile d'être un génie de l'informatique pour faire sauter un code d'accès. Il suffit de lire la presse spécialisée. Regardez, vous achetez des magazines très sérieux et très réputés et vous pouvez devenir un hacker sans problème. Ici, on voit, prenez le contrôle total d'un PC à distance. Alors avec ça, vous êtes tous des hackers. C'est interdit, mais certains n'hésitent pas à utiliser ces logiciels. Pour protéger ses données, Arnaud suit des cours de sécurité informatique dans cette école, une école de pirates qui a pignon sur rue. Officiellement, ici, on se contente d'apprendre à se protéger des hackers malveillants, non sans quelques recommandations. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser sur Internet à faire du scanning ou envoyer des trojans, c'est totalement illégal. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont venir à la base, ils vont venir pour essayer de comprendre, essayer de se sécuriser, et forcément, il y aura toujours des gens qui seront là pour hacker, parce qu'ils vont voir écrit en gros hacker, et ils pensent que... On va leur apprendre à hacker tous les systèmes possibles. En 6 mois, l'école a formé 450 élèves aux profils variés. Lycéens, informaticiens et même un policier. Pour ceux qui seraient tentés de tricher, la loi est claire. 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Salut, Arnaud, alias El Riser, 21 ans, pirate blanc. Allez. Il ne porte pas le bandeau des corsaires de naguère. Pourtant, dans le jargon des informaticiens, Arnaud est un pirate blanc. Voilà, on est prêt à démarrer. Comprenez, un défenseur de l'Internet. Son objectif, combattre les hackers qui s'infiltrent frauduleusement dans les réseaux. Et il le sait bien, la sécurité sur le web est loin d'être parfaite. Problème, je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Ce qui est magique avec l'informatique et avec Windows, c'est que je vais pouvoir retrouver mon mot de passe sans le connaître. Avec un petit utilitaire très simple qu'on trouve n'importe où sur Internet, il est facile de le décrypter. Presque un jeu d'enfant. Inutile d'être un génie de l'informatique pour faire sauter un code d'accès. Il suffit de lire la presse spécialisée. Regardez, vous achetez des magazines très sérieux et très réputés et vous pouvez devenir un hacker sans problème. Ici, on voit, prenez le contrôle total d'un PC à distance. Alors avec ça, vous êtes tous des hackers. C'est interdit, mais certains n'hésitent pas à utiliser ces logiciels. Pour protéger ses données, Arnaud suit des cours de sécurité informatique dans cette école, une école de pirates qui a pignon sur rue. Officiellement, ici, on se contente d'apprendre à se protéger des hackers malveillants. Mais il est totalement illégal de faire ça sur Internet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser sur Internet à faire du scanning ou envoyer des trojans, c'est totalement illégal. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont venir à la base, ils vont venir pour essayer de comprendre, essayer de se sécuriser, et forcément, il y aura toujours des gens qui seront là pour hacker, parce qu'ils vont voir écrit en gros hacker, et ils pensent qu'on va leur apprendre à hacker tous les systèmes possibles. En 6 mois, l'école a formé 450 élèves aux profils variés, lycéens, informaticiens et même un policier. Pour ceux qui seraient tentés de tricher, la loi est claire, 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.